Il est 16h30 jeudi lorsque le camion de la Squadra Fiat, parti le matin même de Toulon, traverse Ax-les-Thermes. À son bord, les deux Fiat Stilo engagés dans le trophée Andros et tout le matériel nécessaire au week-end de course. La nuit tombe déjà et la pluie laisse rapidement la place aux premiers flocons de neige. La montée vers le pas de la case en Andorre s'annonce difficile. C'est là que le second week-end de course de la saison aura lieu, dans moins de 24 heures. Très vite, la route se couvre d'un léger duvet blanc, signe des premières difficultés du week-end. Quelques kilomètres plus loin, le camion est stoppé, Laurent, le chauffeur, et l'ensemble des mécaniciens doivent alors monter les chaînes pour tenter d'atteindre le sommet. Peine perdue, ils réussiront seulement à parcourir 500 mètres avant d'être définitivement bloqués. C'est un chasse-neige qui les tirera jusqu'à une aire de stationnement. Finalement, en 2 heures, le camion aura parcouru moins de 20 km. Mais déjà, Laurent pense à la montée du lendemain. Si j'ai les chaînes forestières, vous prenez les deux roues là. Ouais. Je vais les mettre pour demain, je vais les maintenir en temps de rachetage ou pas. Tu dois y être à quelle heure alors ouais. À quelle heure tu vas les monter? Il faut monter le matin. Et si tu montes aux alentours de midi, ouais. Ça ira. Mais si tu veux monter demain matin, tu n'y arriveras pas. Si t'as pas tout le poids devant, la sémisse pas la peine. Là on est arrivé trop tard, il faut arriver à monter vers midi. Quand on arrive à monter vers midi, c'est bon. Là le souci c'est que on a pas assez de poids sur les sioux, donc ça patine. Là on peut rien faire, il faut mettre du poids sur les roues. Et du poids, il n'en a pas. C'est donc là, en bordure de National, que le camion passera la nuit. Quant aux hommes, c'est épuisé par la route et le manque de sommeil de la nuit précédente. Ils n'ont fini la préparation des autos qu'à 3h du matin, qu'ils regagnent en voiture leur hôtel. 9h30 le lendemain, Laurent a repris le volant du camion avec l'espoir d'atteindre rapidement le circuit. Exercice délicat, c'est tout en glisse qu'il parcourt les 12 derniers kilomètres. Sur les 3 mécaniciens possédant le permis poids lourd dans l'équipe, il est le plus expérimenté et le seul à oser prendre le volant dans ces conditions. Il faut dire qu'après plus de 10 ans passés chez Oreca, il n'en est pas à son premier trophée Andros. Au sommet, il revient sur les soucis de la veille. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de travail sur les voitures ont été finies très tard. On n'a pas pu partir. Normalement, on essaie de dormir à Montpellier, quoi, mercredi soir, pour monter à midi. Parce que la clé du succès, là, c'est de monter à midi, quoi, quand toutes les voitures ont roulé, que la route est dégagée. À partir du moment, après 16 heures, en général, c'est difficile. Quoi. Parce qu'à partir de 16 heures, il n'y a plus de soleil, la couche de glace sous la neige, elle gèle, et les camions patinent, quoi. Parce que c'est pas trop prévu pour, quoi. Et ça vous arrive souvent, justement c'est... Ben là, ça dépend des Andros, quoi. T'as des saisons, tu vas chaîner une seule fois. Puis là, ça fait deux courses, deux fois qu'on chaîne. Quoi. Autant on chaîne plus de la saison après. On le sait pas. On est. Ça, la météo, on peut pas la gérer. Quoi. On la subit et on fait avec. 1, 2, 3, 4. Une heure et demie après avoir commencé l'ascension, il faut maintenant s'installer, trouver le bon emplacement pour le camion et réussir à l'y garer. Et tu t'alignes là, par contre t'es pas obligé de t'as trop avancé. Ton cul, il faut qu'il vienne ici dans l'alignement de ça, là, tu vois. Là, tu t'arrêtes là. On mettra le cœur, moi c'est en face derrière. Le camion est enfin à sa place. Il est 11h30, il reste à tout déballer. La journée promet d'être encore très longue. Il y a au moins 5 heures de montage. 5-6 heures de montage, il est au vent et tout. Et le problème, c'est quand il fait froid comme ça, qu'il y a de mauvaises conditions, tu mets deux fois plus de temps que si tu vas monter le vent sur le circuit. Quoi. Parce que t'avances moins vite. Quoi. T'as froid, c'est... Et avec le froid, le moindre petit détail, c'est un problème. Le moindre truc, tu prévois d'ouvrir la semi pour attaquer à monter, mais t'arrives et la serrure elle est gelée. Bon, mais ça, tu le vis pas quand t'étais à Albi. Donc il faut se débrouiller pour dégeler la serrure. C'est bon, t'as perdu un quart d'heure
Après, tu veux essayer de mettre en route le groupe, ben, avec le froid, il démarre pas. Ah ben, tu mets une heure. C'est tout ça, l'Andros. La Squadra Fiat sur le trophée Andros, c'est une semi-remorque équipée de chaque côté d'un auvent. Le premier qui sert de stand pour l'entretien des autos, le second qui sert de réceptif pour les invités de Fiat et de ses partenaires. Pour leur confort, plancher, moquette, décoration, cuisine, buffet, table doivent être installés. Chaque jour de course, c'est environ 60 personnes qui viendront déjeuner et dîner. Ce jour-là, le montage, commencé à 11h30 et effectué comme à chaque fois par les mécaniciens eux-mêmes, finira 12 heures plus tard, à 23h30. Le samedi, ce sont donc les mêmes hommes que l'on retrouve à l'entretien et au réglage des autos. Seul moment de répit dans la journée, les quelques minutes durant lesquelles les autos sont en piste. Mais quand par malheur, celles-ci sont victimes d'accidents, comme ce fut le cas ce week-end pour Franck Lagorce, Laurent et son équipe peuvent oublier leur hôtel. Obligés de remettre l'auto à neuf, ils travailleront jusqu'à 3h du matin. Moins de 5 heures plus tard, ils seront de nouveau à leur poste sous le auvent. Et pour gagner du temps sur le démontage, les premiers éléments sont rangés avant même la fin de la course. Il faut dire que le démontage est aussi long que le montage et que le camion doit être rentré à Toulon dès le lundi matin pour pouvoir réviser complètement les autos. Car dès mercredi, il devra repartir pour l'Alpe d'Huez. Et c'est comme ça chaque week-end durant 2 mois. Alors, chapeau messieurs.